Good morning, Ale Iden, et tu seras aujourd'hui le Lunishmat Amram, Yona ben Chana, Pigi bat Esther, Nissim ben Aouda, et aussi l'Erfouat Ruth, bat Claudine Taina, et l'Erfouat Arav Naftali ben Silka Lea, et Tor, Char, Chol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet et Douyot, Père Exaïn, Mishnah Hei. Heid Rabbi Yoshua, ve Rabbi Yakim Ish Hadar, Al Kalal Shel Chatat. שנתנו על גבי שרץ שהוא תמה, שרבי אליעזר מתהר. העיד רבי פפיאס על מי שנזר שתי נזירות, שאם גילח את הראשונה יום 30, שמגלח את השנייה יום 60, ואם גילח יום 60 חסר אחד, יצא שיום 30 עולה לו מן המניין. Deux sujets différents, vraiment, une fois, un dans מסכת פרה, et l'autre dans מסכת נזיר. On commence avec le premier. Eid Rabbi Yoshua et Rabbi Yakim Ish Hadar. Deux, donc Rabbi Yoshua et un Tana, que c'est la première fois que je le rencontre, qui s'appelle Rabbi Yakim Ish Hadar. L'homme de la ville de Hadar. Rabbi Yakim, c'était son prénom. Alors ils ont témoigné sur Al Kalal Shel Chatat Shenetano Al Gabe Hasheretz. Kalal, c'est un pot. D'accord, un bol, un pot. La Shon, comme ce qu'on a vu, le bâtonneau rapporte. Vekada al-Shirma, sa cruche, elle avait sur l'épaule, on parle de Rivka là-bas, hein, c'est traduit Vekulta al-Kitfa. Kulta, Kal, Kulta, Kalal. Donc c'est une sorte de cruche, de pot. De Khatat. C'est quoi Khatat? On parle des Mei Khatat, l'eau de la vache rousse. On va expliquer après, bien sûr. D'abord, je traduis les mots. Donc ils ont témoigné sur un pot où il y avait dedans de l'eau, où était mélangée dedans les cendres de la vache rousse. Shenetano al-Gabe Sheretz. Et il l'a posé sur un sheretz, un reptile mort, donc qui est quelque chose qui rend impur. Et bien, Shehu Tamé, qui est ce sheretz, il a rendu impur l'eau. Car, chez Rabbi Yehuda, Rabbi Eliezer Metaher, car il y avait Rabbi Eliezer qui permettait, qui disait que non, ça restait pur, l'eau elle restait pure. Et bien, eux sont venus et ont dit que l'eau est devenue impure. De quoi on parle précisément? Tout d'abord, c'est rien, il faut d'abord une petite introduction, on va commencer. Sur le Efer Para. Pour faire les cendres de la vache rousse nécessaires pour se purifier de la Toumat Met, après qu'on est en contact avec un mort, alors il y a tout un procédé, comment faire, égorger la vache rousse, la brûler entièrement, puis ensuite récupérer les cendres et les garder dans une bouteille. Et puis au fur et à mesure, chaque fois qu'on va avoir un Kohen qui va vouloir purifier un Ben Israël, il va prendre un ustensile, d'accord, en général vous l'utilisez pour une certaine raison. On prenait un ustensile en un kli cheres, d'accord, donc c'est la même fois que j'entends. Et il prenait le kli cheres et un ustensile en argile. Il partait dans une source d'eau, comme ce qu'on appelle dans le Mishnayot, il fallait d'avoir un mayan, une source d'eau. Il devait remplir, prendre de l'eau directement de la source dans l'ustensile, et puis après prendre des cendres de la vache rousse, les mettre sur cette eau, et cette eau elle était apte à ensuite purifié en prenant ensuite un certain bouquet avec certaines herbes et trempé dedans pour asperger sur la personne qui voulait devenir pure. Ça, c'était de manière générale pour la para tratat. Efer para, donc les cendres de la vache rousse. Maintenant, il y a des halakhot très strictes sur cette eau pour comment la manipuler et beaucoup de précautions à prendre pour ne pas qu'elle devienne impure. Et maintenant, le sujet de notre Mishnah, maintenant, ça va être comme ça. Puisqu'on parle d'un ustensile qui est en argile, alors on a une grande règle. Kli cheres eno mitame migabo. Une notion qu'on a déjà évoquée quelques fois, ça nous est déjà arrivé, que un ustensile, de manière générale, si je prends un verre en argent, par exemple, et que je le touche même sur son pied, d'accord, on va prendre un verre de kidouche à pied, je le touche sur son pied, tout l'ustensile devient impur, bien évidemment. Tu as rendu impur l'ustensile, il devient entièrement impur. Eh bien, il y a une halakha bien particulière sur les ustensiles en argile que kli cheres eno mitame ela mitocho. L'ustensile en argile ne reçoit la touma que si elle est communiquée par son intérieur, pas par son extérieur. C'est-à-dire, si à l'extérieur du pot, je vais même prendre un sheretz et toucher un ustensile en argile, eh bien, l'ustensile, il reste pur. S'il y avait dedans de la nourriture qui est dedans, elle est restée pure. Ça n'a rien d'impurifié. Pourquoi? Parce que kli cheres eno mitame ela mitocho velo migabo. Il ne rend impur que par son intérieur et pas par son gave, par son dos, donc par toute la face extérieure. D'accord? C'est une notion. Maintenant, on va compiler les deux. On va prendre de l'eau de Khatat, où il y a dedans les Mei Para,
l'eau de paratratate, donc, qui est censée être pure, qui a beaucoup de précautions à prendre. Et je prends cette eau avec cet ustensile et je le pose par terre. Et il s'avère que là-bas, à cet endroit-là, il y avait un reptile mort qui a touché l'ustensile, de manière à ce qu'il ne va pas rendre impur ce qu'il y a à l'intérieur. En théorie, si c'était juste des lois de Touma et de Tahara classiques, ça ne rendrait pas impur ce qu'il y avait à l'intérieur. Et bien là, malgré tout, il y a une halakha particulière, c'est que pour l'eau de Meichatat, donc ce qu'on appelle l'eau d'aspersion, et bien si on la pose dans un endroit où il y avait une impureté, même si l'impureté ne communique pas à son impureté par simple communication, mais puisqu'on la posait dans un endroit impur, alors l'eau, elle devient inapte à être aspergée, elle devient elle aussi impure. Le Barthénois rapporte du Passouk, « Veniach michutz la machane bemakom tahor » La Torah insiste, qui devra ensuite poser cette cendre, ou bien l'eau, il y a la cendre, « Michutz la machane » à l'extérieur du camp, « Bemakom tahor » La Torah insiste, dans un endroit qui est pur. Ça signifie que je ne suis pas en train de te dire de veiller à ce que l'eau ne devienne pas impure, c'est sûr ça qu'il faut que tu fasses attention qu'elle ne devienne pas impure. Mais même l'endroit où tu vas poser ton eau, l'endroit il doit être pur, même si concrètement l'impureté ne communique pas par règle de communication classique d'impureté, malgré tout, puisque tu la poses dans un endroit qui reçoit l'impureté, ton eau devient inapte. D'accord ? Chez Rabbi Eliezer, Metaher, parce que Rabbi Eliezer, dans un cas pareil, lui permettait, d'accord ? Il pensait que, selon Rabbi Eliezer, il n'y a pas d'autre système d'impurification différent des autres règles classiques. Puisque Klichres Enom Itame Migabo, puisque l'ustensile en argile ne reçoit pas la Touma lorsqu'il est impurifié par son extérieur, de ce fait, tu as peut-être touché le Sheretz, mais l'eau qui est à l'intérieur n'est pas devenue impure. Ça, c'était l'avis de Rabbi Eliezer. Et bien, eux, ils ont témoigné que, malgré tout, que c'est impur, parce qu'on insiste donc sur le Makom Taor. Il faut le poser dans un endroit pur. Et pas dans un endroit impur, même si c'est posé de manière à ce que l'impureté n'est pas communiquée par règle de communication classique. Fin du premier sujet de Paratratat. Deuxième sujet maintenant, on va passer dans les l'chos de Nezirut. Heid Rabbi Papias al mi shenazar shte Nezirut. Il a témoigné Rabbi Papias, c'était son nom. On va le revoir encore dans le prochain Mishnayot un petit peu. Alors, il a témoigné Rabbi Papias que Almi chez Nazar Shte Nezirut, quelqu'un qui avait pris sur lui de devenir deux fois Nazir. Comme ça, elle a dit, je serai deux fois Nazir. Sheim Gilach et Arishona, Yom Shlishim, que si il s'est rasé la tête à la fin des 30 premiers jours, Sheim Gilach Hashnia Yom Shishim, qu'il devra se raser ensuite pour la deuxième Nezirut au 60e jour. Veim Gilach Yom Shishim Chaser Echad Yatsa. Et si malgré tout il se rasera au 60e jour moins 1, donc au 59e jour, on va expliquer, vous inquiétez pas. Yatsa il s'est acquitté, pourquoi? Chez Yom Shloshim Ole Minaminyan, car le 30e jour, il entre dans le décompte, c'est-à-dire dans le décompte de la deuxième Nezirut. On explique un petit peu de quoi on parle. Un Nazir, vous savez bien, c'est celui qui il prend sur lui de se sanctifier, de ne plus s'en impur, de ne plus boire de vin, de ne plus se raser les cheveux. Quelqu'un qui a dit sur lui, alors on peut délimiter la Nezirut, je la prends pour 6 mois, pour 1 an, mais de manière générale, quelqu'un qui dit, allez, je prends sur moi d'être Nazir, il a eu un élan comme ça, je prends sur moi d'être Nazir, alors sur ça, il y a une règle qui nous dit, Stam Nezirut Shloshim Yom, t'as pas précisé de durée, alors Stam Nezirut, une Nezirut Stam où t'as pas précisé, ce sera de 30 jours. D'accord, c'est déduit ça de Pasuk, Nazir Iyé, Iyé, Gematria de Iyé, ça fait 30. Yud, he, ve, yud, he, ça fait 10, 5, ça fait 30. Comme ça, la gamelle déduit, Stam Nezirut Shloshim Yom. Ok. Maintenant, je peux prendre sur moi d'être 3 fois Nazir. Donc, dans ce cas-là, je devrais être 90 jours. Ok, c'est clair pour le moment. Ce qui se passe, c'est que pour le moment, il a pris sur lui d'être 30, d'être 2 Nezirut. En théorie, on va prendre un cas où je prends sur moi d'être Nazir, je suis le premier Tishrei, mais pas le premier Tishrei de cette année de Tafshin Ein Chet, mais de Tafshin Ein Tet. Pourquoi je veux dire de Tafshin Ein Tet? Ce sera plus facile pour calculer, étant donné que le mois de Cheshvan et le mois de Kislev, selon les années, il y a des décomptes bien précis, des fois ils font 29 jours, des fois ils font 30 jours. C'est le seul mois de l'année où ça peut arriver que des fois ils font 29, des fois ils font 30. En l'occurrence, l'année prochaine, on aura un Cheshvan et un Kislev qui font tous les deux 30 jours. Donc c'est super, on va avoir Tishrei, Cheshvan, Kislev, 30 jours, 30 jours, 30 jours. C'est une configuration très rare, relativement. Ok, donc c'est pour ça que je préfère me procher pour l'année prochaine, ce sera plus facile. D'abord, cas classique, premier Tishrei, en plein Rosh Hashanah, dans les tfilos, je dis, allez, Ribbono shel Olam, je deviens Nazir, Stam Nezirut, on dit 30 jours. 30 jours, on compte le premier Tishrei. La fin de la Nezirut se terminera au 30 Tishrei, j'aurai achevé ma Nezirut.
a priori, je dois compléter les 30 jours. Donc, et au premier Cheshvan, me raser les cheveux et dire ça y est, j'ai fini ma Nézirut, il y a des corbanotes et tout ça à apporter. Donc, on va parler de se raser les cheveux. Je devrais donc me raser les cheveux le 31e jour, donc le premier Cheshvan. Si le premier Tishrei, j'ai pris sur moi d'être deux fois Nazir, alors en théorie, si je veux bien me conduire, je compte la première Nézirut jusqu'au 30 Tishrei, ça se finit. Premier Cheshvan, je me rase les cheveux. Et ce premier Cheshvan où je me rase les cheveux maintenant, à partir de ce jour-là, je commence à compter la deuxième Nézirut. Le 30 Cheshvan s'achèvera la deuxième Nézirut. Et le premier qui se lève, je me rase les cheveux. Donc ça fait du premier Tishrei jusqu'au premier qui se lève, ça fera l'équivalent de 61 jours. Ça, c'est si tout se passe très bien. La Mishnah va nous apprendre maintenant deux Chidushim qui vont tourner en fait autour du même principe que Miktsat Hayom qui coule. Dans plein de halakhot, on remarque que être déjà entré dans le jour, Miktsat Hayom, un petit peu de la journée, Kekulo, c'est considéré comme toute la journée. Dans certaines halakhot, c'est considéré, on aura l'occasion de le rencontrer quelques fois. D'accord ? Voilà en l'occurrence un ici. C'est que Miktsat Hayom Kekulo et la deuxième halakha que la Nézirut Olelo Mikan Venekan. C'est ce qu'on va expliquer dans quelques secondes. D'accord ? D'abord, ça y est, on va faire un petit peu d'ordre. Ça se passe comme ça. Tout d'abord, on a dit que premier Tishrei, je prends sur moi une Nézirut, je dois en théorie compléter les 30 jours et le 31e jour me raser. Mais malgré tout, la Mishnah m'enseigne, si finalement je me suis rasé les cheveux le 30 Tishrei, donc je n'ai pas attendu la fin des 30 jours, mais au 30e jour je me suis déjà rasé, et bien malgré tout ça marche. Pourquoi ? Parce que Stam Nézirut, Shoshim Yom et Miktsat Hayom Kekulo. C'est-à-dire, puisque maintenant je suis entré dans le 30e jour, j'ai commencé le 30e jour en tant que Nazir, si finalement j'ai mis un terme à la Nézirut dans ce 30e jour, on va dire Miktsat Hayom Kekulo, tu as déjà commencé à toucher, à entrer dans le 30e jour, alors tu as fait tes 30 jours, même si tu as écourté la 30e journée en fait. D'accord ? Partant de ce principe, j'ai pris sur moi de faire de Nézirut. Donc je me suis rasé les cheveux le 30e jour. En théorie, je dois maintenant, d'accord, démarrer une nouvelle Nézirut à partir de ce 30 Tishrei, compter 30 jours pleins, donc jusqu'au 29 Cheshvan, et le lendemain, le 30 Cheshvan, me raser pour pouvoir compléter les 30 jours. Et donc ça fera à partir de maintenant, du premier Tishrei, ça fera l'équivalent de 60e jour. D'accord ? Ce qui se passe, c'est que maintenant, j'ai même pas fait ça, mais au 29 Tishrei, quand je suis arrivé au 29 Cheshvan, eh ben, je me suis finalement rasé. Eh ben, la Mishnah va m'enseigner que je me suis quand même acquitté, selon le même principe, que Miktsat Hayom, Kekulo, et Yom Shloshim, Olelekan, Velekan. C'est-à-dire, selon le même principe, puisque dans la première tranche, même premier tronçon de Nézirut, puisque j'ai fait en fait 29 jours pleins et le 30e jour, je me suis déjà rasé les cheveux, premièrement, on a dit, a posteriori, ça marche. T'as gardé ta Nézirut pendant 30 jours. Tu démarres depuis, donc puisque tu as achevé ta première Nézirut, tu peux maintenant démarrer ce même jour-là, démarrer ta deuxième Nézirut. Ce 30e jour, olé les cannes, vé les cannes. Il compte pour celui-ci comme pour celui-là. Le 30e jour sera la fin de la première Nézirut et le début de la seconde Nézirut. De ce fait, si je refais le même procédé, a posteriori bien sûr, que le 30e jour à partir de ce 29, de ce 30 Tishrei, d'accord, à partir de ce 30 Tishrei, je recommence à compter 29 jours pleins et le 30e jour, donc, qui sera en fait le 29 Cheshvan, je me rase de nouveau les cheveux, donc ça aura fait en tout 59 jours, et bien je me suis quand même acquitté, parce qu'on va dire deux fois, Miktsat Hayom, Kekulo, Veyom, Shloshim, Olelekan, Velekan. C'était clair ? C'était pas compliqué. On refait ça quand même dans les mots, ce sera plus facile. Et Rabbi Papias a témoigné que Almi Shenazar Shtei Nezirut, quelqu'un qui avait pris sur lui d'être deux fois Nazir, il a fait le vœu de prendre sur lui deux fois la Nézirut. Sheim Gilach et Arishona Yom Shlishim. Si finalement il a mis un terme à la première au 30e jour. Donc dans notre exemple, le 30 Cheshvan, 30 Tishrei, il s'est rasé les cheveux. Alors premièrement, premier chidouche, il s'est acquitté. Même si a priori, regardez dans le Bartonor, il nous dit, l'achatrila, l'homme ibal galach la Yom Shlishim Echad. A priori, il devait attendre le 31e jour, donc le premier Cheshvan. Malgré tout, il a mis un terme le 30. Ça a marché quand même, parce que d'Amrinan Miktsat Hayom Kekulo, une partie de la journée, c'est considéré comme toute la journée, donc ça a compté comme la 30e. Maintenant, tu démarres une deuxième Nézirut. La Mishnah n'insiste pas, mais me projette directement dans la deuxième conséquence. Donc, là, a priori, Megala Hashnia Yom Shishim, il devra raser la deuxième au 60e jour, puisque tu démarres le 30, tu comptes 30 plein jusqu'au 29, plein,
et le 30e maintenant, ce sera lui le 31e jour en fait de la deuxième Nézirut, c'est ce que tu dois faire a priori. Et bien malgré tout, s'il se rasera au final au 60-1, donc au 29 Cheshvan, et bien Yatsa, il se sera quand même acquitté, parce que ce sera le 30e jour du début de la deuxième Nézirut, et Yom Shloshim Olelo Minaminyan, le 30e jour, il lui compte. Il entre dans le décompte de la deuxième Nézirut, comme ce qu'il dit le Bartanoir tout de suite, Shiom Shloshim Shan Nézirut Rishona, Olé Lekan Velekan. Le 30e jour de la première Nézirut, donc le 30 Tishrei, Olé Lekan Velekan. Il sera la fin de la première série des 30 et le début de la nouvelle série qui démarra, et de ce fait, même procédé, si au lieu de faire 31, c'est-à-dire de raser le 31e jour, il rase le 30e, il sera quand même acquitté. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov, c'est là.